Mes chers amis, un bon jour en ce matin où la joie et la tranquillité me saisissent en même temps, une grande joie de la vie, du cœur, une grande joie de ce que je ne peux pas dire, quelque chose d'un état qui est là et qui amène à cette puissance qui nous porte, en tout cas pour moi ça se passe comme ça, cette puissance de vie, cette puissance d'être, cette puissance de sentir d'un seul coup la force qui soulèverait toutes les montagnes et qui enlèverait toutes les barrières à la fois, qui viendrait chercher tous les êtres pour leur donner la main, pour les accompagner, pour les accueillir et pour nous embrasser en toute simplicité. Alors, c'est l'heure à cela qui vous est donnée est arrivée, même si des gestes barrières se sont installés. Le temps de la lumière vient au plus profond de vous vous dire « Réveillez-vous, enfant bien-aimé, et laissez juste la joie de votre cœur saisir l'autre en vérité pour laisser une renaissance en profondeur s'installer et vous sentir plus grand que toutes vos peurs à ce moment donné. Il ne s'agit que de cela. Sortir de ses doutes, de ses croyances et de ses peurs d'autrefois, tout en étant conscient et présent à la fois. Il ne s'agit pas de tout rejeter en une seule fois, mais de laisser le grand tout vous saisir à bras le corps cette fois et vous sentir le trésor que vous êtes depuis longtemps déjà, celui qui sommeille au fond de vous et qui vous dit par-dessus tout « Aimez-vous ». Cet intent solennel que je vous envoie, ce sont des mots solaires de lumière que je vous offre à travers celle-là pour laisser comme un petit vent venir vous rencontrer, comme un souffle sur un pissenlit. Je vous envoie cette paix de la vie bien-aimée et ce souffle intérieur qui rit au fond de vous, au-delà de ce que vous pensez, même si à l'extérieur il ne se voit pas, un enfant rit au plus profond de vous, je vous le dis, croyez-moi, pour laisser la nouvelle vie se manifester, car celui-ci vient de très loin, de très loin, de très longtemps, je vous le dis en vérité, et retrouve tout son potentiel au fond de lui en vérité, je dirais tout son passé béni qu'il a été, non celui qui vous a fait souffrir et tomber, mais celui qui vous a permis de grandir et de vous ouvrir à ce que je suis et toujours été. C'est un être des plus solaires, des plus sacrés, car vous êtes cela, enfant, bien aimé, depuis des temps sans commencement, je vous le dis sans arrêt, depuis quelque temps, depuis quelques années, vraiment, pour vous souvenir que vous êtes le grand souffle de vie et du vivant, la grande joie qui scintille au-dedans, et le soleil de l'éternel instant, de l'éternel présent, et de l'émerveillement sans pareil que je suis en vous infiniment. Ainsi, lorsque tout est dit, tout est posé, quelque chose alors de la conscience descend et vous saisit à bras le corps en vérité, quelque chose de la présence se manifeste en vous, bien-aimé, pour ne plus un seul instant vous quitter, mais vous embraser de lumière, de tendresse et de grâce retrouvée pour vous unir à vous tous, à vous-même et à Dieu le Père en vérité, qui n'est autre que ce souffle d'amour qui vous est donné et la joie en ce jour que je vous rends à travers cette bien-aimée. Alors recevez et soyez l'alléluia d'un temps présent et non passé et soyez l'allégresse de cet instant présent que je viens vous donner pour vous sentir non en peur, ni en doute, ni en tristesse en vérité, mais en tendresse de vous tous et de vous-même bien-aimée pour laisser le souffle des plus solaires arriver et laisser la joie de la grande mère sur votre terre se poser, car celle-ci irradie de tous les noms sacrés qui lui ont été un jour donnés. Ne dit-on pas que sans huit noms elle porte au fond d'elle, souviens-toi, pour laisser le grand soleil de celui qui t'interpelle se réveiller au fond de toi. Je te relie à toutes les déesses d'un temps de la vie et à tous les principes créateurs que je suis, pour te sentir te fondre dans la beauté infinie de ce que tu es, enfant béni. Je te dis debout, élève-toi dans ton souffle béni et infini. Ne garde pas le silence de la peur, mais permets celui à la présence intérieure de se poser, car celui-ci irradie de mille couleurs, je te le dis en vérité, et de toutes les colombes de la terre, que cette dernière compte au fond d'elle, bien-aimée. C'est un temps à la paix que je vous envoie pour laisser toutes les offrandes de votre cœur se retrouver cette fois, vous sentir comme le parfum de cœur que vous êtes déjà et vous sentir non le sauveur, mais l'éternel cœur ouvert et tourné de l'intérieur vers l'extérieur cette fois pour vous sentir accompli comme il se doit et le sens même de la vie qui est là.
à ce souffle béni et infini, je te conduis tout droit pour te dire aime-toi, accueille-toi et laisse ce souffle comme un nectar se retrouver, car toute la connaissance, je te le dis en profondeur et intérieure, est retrouvée. Je l'ai dit il y a bien longtemps à travers cet enfant qui arrive depuis le fin fond des temps pour laisser la conscience même de son être se poser et laisser la grande lumière de la lumière se retrouver pour se sentir être et pleinement aimé du monde et d'elle-même en vérité, pour que la secousse vous secoue tous bien aimés et laisse tous les fruits défendus et interdits tomber, pour que juste celui de la vie demeure en vérité et que votre cœur comme une fleur s'ouvre à ce moment particulier. Recevez l'élan de ce jour comme un instant d'amour et d'unité qui vous unit tous, peuple de la terre bien aimé, pour laisser être la joie, la paix et la sagesse d'un monde qui se retrouve en vérité, debout et solide sur ses deux pieds. Le vent souffle et va souffler, car le grand trésor que vous êtes doit au monde se révéler et à vous-même en vérité. Alors ne retenez ni les branches qui s'envolent, ni les branches cassées, ni la matière qui se défait d'elle-même en vérité, pour laisser la grande lumière de ce qui est, de ce que je suis se retrouver. C'est pourquoi les choses tombent actuellement, non pour régler des comptes d'il y a longtemps, mais laisser la lumière apparaître dans toute sa beauté comme un scintillement, et qu'un seul diamant brille pour le monde entier infiniment et vienne y refléter toutes les couleurs de mon cœur en vérité. Car lorsque celui-ci, défait de tous ses voiles, se retrouve bien aimé, la lumière au cœur de la matière vient se diffracter et rend à tous la beauté de son être incarné. Je vous salue, peuple de la terre tout entier, pour vous sentir la lumière, la joie et la beauté parfaitement posées et installées dans ce corps de chair qui vous est donné, pour oser, au nom de l'amour, œuvrer sur cette terre de vie qui vous est donnée. Vous êtes le premier peuple de la vie tout-puissant. Je vous rends cet élan d'amour infini maintenant pour vous sentir le droit d'être la vie et le vivant et accueilli de vous tous et de vous-même vraiment. Dans un brasier d'amour, je vous reçois maintenant pour laisser le feu de mon cœur vous envahir complètement et sentir au cœur de vous ce que je suis vraiment et le souffle de la vie qui ne fait que commencer maintenant. Je vous salue, peuple du vivant. Se laisser saisir comme cet enfant est un jeu d'enfant, car vous êtes la vie au cœur de vous et le vivant. Je vous la donne, je vous le rends, pour vous sentir l'être le plus éclairé du dedans et le plus beau sur la terre vraiment, sans vous en saisir un seul instant, mais en pleinement le vivant. Remerciez et soyez de cet instant que vous me permettez maintenant.